Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Une vidéo vraiment qui nous montre combien de fois les gens sont déterminés pour réussir. Et vraiment, ça nous plaît bien, même si c'est dangereux. Regardez à l'écran. Vous voyez ça? Ces gens sont des Africains qui ont décidé de se chercher et de partir à l'aventure, selon l'information que j'ai reçue. De toute façon, c'est très connu. C'est ce qui se passe en ce moment. Et quand je vois ça, je me dis, mais waouh, regardez cette image. Regardez-la bien. Que pensez-vous de ça? Waouh. Ils sortent sous la neige, bon, en fait, dans la neige. Et waouh, il lutte contre le froid. Il lutte contre le froid. Regardez, je pense avoir aperçu une femme là-dedans. Je pense avoir aperçu une femme. Ces gens-là vont quelque part, ils vont nous le dire tout à l'heure parce qu'il y a une vidéo que je vais vous montrer aussi. Et regardez, vous voyez ça? Quel courage! Quelle détermination. Et l'Afrique. Ah, l'Afrique. Vos enfants sont en train de vous quitter pour aller se chercher dans un autre endroit. Alors que les Blancs viennent chez nous pour prendre des choses sous nos terres. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment vous pouvez-vous expliquer cela? Jean, les Blancs. Eux viennent chez nous pour prendre des choses chez nous. Et nous, on cherche à aller chez eux pour espérer avoir quelque chose. Mais si les Blancs viennent chercher des ressources chez nous, mais pourquoi ne pas développer les ressources qui sont ici en même temps, là, tout le monde sera bien. Mais comme il y a beaucoup de sorciers dans le pays, comme il y a beaucoup de sorciers en Afrique, ils font en sorte que le peuple souffre et le peuple est obligé de sortir du pays. Voici le résultat. Ça, c'est le résultat. C'est le résultat qui est devant vous. La souffrance. La souffrance. Chacun veut mourir seul, sans penser aux intérêts de la nation, aux intérêts de tout le monde. Regardez, combien de milliers de milliards ces pays africains ont dans leur compte bancaire, en fait, dans leurs réserves. Beaucoup. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne nous ont jamais partagé l'argent-là. Moi, depuis que j'existe sur cette terre, jamais les gens ont partagé l'argent-là et puis moi, il y a eu aussi. Je vous assure. Partagez le Dieu là! Quel chien! Ça commence à m'énerver. C'est quoi? Tournons-nous le jet. Les gens sont obligés de quitter leur pays, leurs parents, et prendre des risques pour aller dans d'autres pays, traverser la Méditerranée. D'autres même meurent. Plusieurs personnes meurent. Vraiment, c'est grave. Regardez vous-même. La souffrance que ces gens-là doivent endurer. Ils vont marcher pendant longtemps, mais ils sont déterminés. Rien ne les effraie. Maintenant, nous allons juste les écouter et vous allez découvrir par vous-même ce que ces gens-là disent. Est-ce que vous voyez ça? Voici les images. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Ça, c'est direction Italie comme ça. Ça, c'est direction comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Il dit qu'ils vont directement en Italie et personne ne peut les arrêter. Ils sont déterminés. Non, ça naît seulement. Ouais. Les mots de Dieu même là, ils sont où? Non. On va rentrer dans la frontière là aujourd'hui. Non, on va traverser la frontière là aujourd'hui. Non, la frontière là, on va rentrer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous stopper. Non, non, rentre.
On rentre comme ça, on est en route. On est en route. On va rentrer en pied, même si c'est des jours. On rentre. Revenons un peu en arrière pour bien écouter ce qui sont en train de dire. Écoutez bien. Il y a même des femmes à l'intérieur. Regardez très bien. Ça, c'est direct. Ça, c'est direction Italie comme ça. Ça, c'est direction comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Non, ça neige seulement. Ouais. Les mots d'hier même là, ils sont où? Non. On va rentrer dans frontière là aujourd'hui. Non, on va traverser frontière là aujourd'hui. On va rentrer à la frontière aujourd'hui. Non, la frontière là, on va rentrer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous stopper. Hein. Non, on rentre. On rentre comme ça, on est en route. On va rentrer en pied, même si c'est des jours. On rentre. Nous, les Noirs, on n'a pas papier, mais on circule. On circule mal. Vous voyez ça? Il se motive. Il se motive, bien que c'était parmi eux est vraiment très froid. Très, très froid. Regardez. Vous voyez ça? Voici la femme dont je parle là. Peut-être que c'est encore une autre femme. Mais regardez. Regardez vous-même. On est en route. On va rentrer en pied, même si c'est des jours. On rentre. Nous, les Noirs, on n'a pas papier, mais on circule. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ils s'automotivent et ils ne veulent pas laisser la faire. Ils sont déterminés. Ça, c'est direct. Ça, c'est direction Italie comme ça. Ça, c'est direction comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut les arrêter. Ils sont déterminés. Vous voyez ça? Où vous voyez ça? Ça veut dire que les Africains sont fatigués de souffrir. Ils ont décidé de prendre des dessins en main. Ils ont décidé de se chercher. Ah, Seigneur! Voici des gens qui sont nombreux. Ils disent qu'ils veulent travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut créer beaucoup d'emplois. On peut créer. On peut construire des hôpitaux. Il y a des médecins qui sont là. Ils veulent travailler. Où est-ce que vous imaginez que des gens ont étudié pendant plus de 10 ans? Ils ont eu leur diplôme, ils sont bien. Ils veulent maintenant exercer dans le domaine de la médecine, mais ils sont bloqués. Ils ont des problèmes jusqu'à ce que parmi eux deviennent vieux. Ça me fait mal! Ça me fait très mal! Vous imaginez pas comment c'est dur d'étudier? Moi, j'ai fait les études, j'ai des diplômes. J'ai des diplômes. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment très mal. Les gens ne veulent pas savoir comment vous avez fait pour avoir votre diplôme. Comment vous avez souffert avant d'arriver juste à là. Non. Non, les gens ne veulent pas ça. Tout ce qui les intéresse, c'est le résultat. Mais la souffrance avant de parvenir à un tel résultat. Vous connaissez? Des étapes à ne pas sauter. Comment on a lutté les puces. Comment on a connu la pluie, le soleil, la chaleur, la poussière, la fumée des véhicules. Et après, c'est pour venir lutter encore pour avoir du boulot. Si Dieu n'est pas avec nous pour nous donner des idées pour entreprendre, pour créer nos propres entreprises, ça sera comment? Au lieu que les gens s'intéressent à nous, ils préfèrent s'intéresser aux armes. Comment ils vont s'armer pour être les plus forts? Ils prennent des milliers, des milliers, des milliards de dollars pour investir dans la guerre. Dans les guerres. Alors que nous, là, on a faim. Regardez-les. Ça, c'est direct. Ça, c'est direction Italie comme ça. Regardez ces gens. Regardez ces gens. Vraiment, ce monde est vraiment un mauvais monde. Les gens sont méchants. Très méchants. Ça, c'est direction comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Non, ça neige seulement. Ouais. Les mots d'hier même là, ils sont où? Non.
On va rentrer dans frontière là aujourd'hui. Non, on va traverser frontière là aujourd'hui. Pour rentrer à la frontière aujourd'hui. Non, la frontière là, on va rentrer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous stopper. Hein. Non, on rentre. On rentre comme ça, on est en route. On va rentrer en pied, même si c'est deux jours. On rentre. Nous, les Noirs, on n'a pas papier, mais on circule. On circule mal. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Vraiment, mes frères et sœurs, je suis fier de vous. Vous avez décidé de ne pas voler, ni tuer, ni faire du mal à votre prochain. Vous avez décidé de lutter pour réussir. Je vous remercie. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous guide. Qu'il vous accorde tous les doigts, toutes les bénédictions, mes frères. Allez-y, revenez avec de très bonnes nouvelles. Que Dieu soit avec nous tous.